vas te sauver, oh Jésus, tu 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 vas te sauver, oh Jésus. C'est toi qui permets toutes choses. Seigneur, je puis tout parce que tu me fortifies. Seigneur, je ne peux pas me tenir en ce lieu-là si tu ne l'as pas voulu. C'est pour cela, Seigneur, je m'efface. Mais seul ton esprit seul, Père, prend toute la place. Et me conduis, Seigneur, car la Bible déclare que tu es venu comme un consolateur pour nous enseigner toutes choses, Père. Permets que je sois un instrument de cet enseignement. Jésus-Christ de Nazareth, viens, prends la place, descends maintenant, Père, dans ton peuple. Père, barricade ton peuple, Seigneur, de tout lion, Père, qui tourne, qui rôde autour de tes enfants. Et je ferme celui-là, Père, par ton sang. Jésus-Christ de Nazareth, que celui qui n'a pas été invité soit retranché, lié et retranché ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, s'il y avait quelqu'un dans cette salle qui s'oppose à cette parole, qu'il soit lié et chassé d'ici maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta parole, Seigneur, je m'efface et que toi seul sois une véritable parole dans ma vie. Père, conduis-moi. Amen. Alléluia. Le thème de mon message, c'est le secret de l'élévation. Amen. Alors, comme je l'ai toujours dit, toute élévation, toute bénédiction a un secret. Alléluia. Dans chaque famille, quand vous arrivez, il y a un secret qui renferme la famille. Quand vous arrivez dans n'importe quelle administration, il y a des secrets d'État. Dans tous les corps de l'administration, il y a des secrets. Et c'est comme ça que Dieu aussi a érigé sa parole par des secrets. Amen. Donc nous comprenons que tant que nous n'avons pas le secret qui puisse nous amener vers la grandeur, vers l'élévation, il nous est totalement difficile de pouvoir régner. Alors que la Bible dit dans Jean 10:10 que Jésus est venu pour nous faire régner, n'est-ce pas? Le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge, il fait quoi d'autre? Il détruit, n'est-ce pas? Mais lui, il est venu pour nous faire régner, pour nous faire demeurer dans un règne. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes dans sa maison, nous devons refléter le règne, la gloire, l'élévation, la prospérité de Dieu. Maintenant, quand cet élément-là n'est pas dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas dans le secret. Maintenant, est-ce que tous nous sommes appelés à découvrir le secret ou bien à vivre le secret de Dieu? Est-ce que nous allons voir? Alléluia. Et quand je parle de secret de l'élévation, je vais mettre un accent sur un point. L'amour. Alléluia. Je vais mettre cet accent sur l'amour. Mais vous allez voir que encore, parlant d'amour, il y a encore des secrets de l'amour qui amènent quelqu'un vers l'élévation. C'est parce qu'on le comprend. On peut périr par manque de connaissances. Et aujourd'hui, au sorti de cet enseignement, ton esprit sera ouvert. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce que moi-même, j'étais d'abord celui que Dieu a délivré. Alléluia. Frère, j'ai tantôt dit, un homme de Dieu qui n'a pas un véritable témoignage ne peut pas prêcher l'évangile. Dieu ne peut pas l'appeler, non. Vous allez vous rendre compte que chaque personne appelée à être pasteur, apôtre ou prophète, et j'en passe, vous allez voir qu'ils ont un témoignage bizarre. Maintenant, Dieu a permis que de ce témoignage-là, Dieu les appelle, les justifie, les met à part et ensuite maintenant passe de leur vie la parole qui descend en eux, qui soit maintenant une source de bénédiction. Et quand ils parlent de la part de Dieu, vous vous rendez compte que ce n'est pas eux qui ont posé l'acte hier. Frère, la vie est un processus. L'élévation est un processus. Alléluia. Et c'est cela que je veux vous parler. Amen.
Je vais définir avant tout l'amour. Que me dit Robert? Robert me dit que l'amour est un sentiment d'affection et d'attachement envers un être, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme, un animal, une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique ou spirituelle. Alléluia. J'ai de l'amour pour ma sœur. Je vais créer une proximité avec elle. Alléluia. Il y a cet amour qui est charnel, dont parle la définition, et celle qui est spirituelle, qui est loin du charnel et même du naturel, mais qui demeure que spirituel. Et la partie qui m'intéresse, c'est le côté spirituel. Alléluia. C'est ce côté-là qui peut nous faire avancer. Alléluia. Nous allons aller dans Genèse 1, verset 26. Dieu nous dit, toi, ma fille. J'ai lu la parole de Dieu en Genèse 1, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, oui, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Mais je préfère m'arrêter au verset 26. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. N'est-ce pas? On va s'arrêter là sur ce verset-là et on va avancer. Regardez un peu. Quand je m'appuie sur ce verset, je comprends par là qu'il y a une interaction entre les hommes. N'est-ce pas? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. D'abord, Dieu s'est regardé lui-même, il t'a fait. Maintenant, il dit faisons. Hein? L'homme à notre image, c'est ça, la ressemblance, notre intérieur. Alléluia. Parce que frère, je peux dire de mon frère Serge qu'on dirait que Serge me ressemble. Alors que vous allez voir qu'entre Serge et moi, il n'y a pas un lien de sang. Mais comment je vais retrouver la ressemblance de Serge et moi? C'est dans son caractère. Amen. Donc vous comprenez que entre Serge et moi, il y a une interaction. Pourquoi? Alors, je peux dire que Serge me ressemble. C'est parce qu'il y a une proximité entre Serge et moi dans la façon de faire, dans la marche, dans le comportement. Donc Serge, un, va me ressembler. Deuxièmement, il est fait selon mon image. Alléluia. Donc vous comprenez que quand Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance, Dieu veut mettre un accent sur le comportement des hommes, les uns les autres. Frère, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Tu ne peux pas dire que tu pars de la part de Dieu et tu détestes ton frère. Tu ne veux même pas le voir. Tu ne veux même pas le sentir. Tout ce que tu veux entendre de lui, c'est qu'il chute. Tu vas entendre que les malédictions sur sa vie et que toi, ça te réjouisse. Frère, comment peux-tu dire que je suis chrétien dans la maison de Dieu, j'aime Dieu et je pense au mal de l'autre? Alléluia! C'est pour cela que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia! Parce que entre mon fils, ou du moins mon frère, Serge et moi, il y a une interaction. Il partira à New York. À cause du fait qu'il a demeuré auprès de moi, il y a quelque chose que Dieu a mis en moi qui est en lui, obligatoirement. Frère, c'est d'abord cet aspect que nous devons voir. Donc nous comprenons que l'amour de l'homme pour l'homme doit être d'abord démontré pour toi, tout chrétien. Mais souvent, on va très très loin. Hein? Hein? Frère, ton frère est ici, là, il est en train de mourir.
Et puis on te voit quelque part là-bas là, c'est en train de faire le show, comme on dit souvent, excuse-moi du terme, en train de chauffer ou en train de travailler. Tu as sauté Serge, poum, et tu arrives sur le président des hommes, papa Seyo, et puis là-bas là tu fais le show. Là maintenant tu es assis et tu veux te faire voir. Tu es en train de mourir. Quel est cet amour que tu démontres? Il a besoin de ton soutien. Le seul coup de fil que tu vas lui adresser va changer le cours de sa vie. Mais non, on préfère le sauter pour aller ailleurs, là où on ne connaît pas. Mes frères, Dieu dit, regardez, on va aller dans 1 Jean 3, verset 15. Dieu va nous parler ce matin. Il y a quelqu'un, assieds-toi bien. Je lis la parole de Dieu en 1 Jean 4, verset 20. Oui. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Hein? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Aïe! Non, frère, dis-moi un peu, parle-moi ce matin. Comment tu peux détester celle qui est là? Tu la vois. Et dis que tu aimes Dieu. Alléluia. Prétends, parce que dis que je suis chrétien ou chrétienne, c'est parce que tu as Dieu en toi. Il habite en toi, il est en toi, donc tu l'aimes. Mais comment celui-même qui est là, près de toi, pour qui tu n'as même pas un amour véritable, que tu vois tous les jours, tu ne portes aucun regard vers lui, et tu prétends aimer Dieu, celui-même que tu n'as jamais vu. Moi, je veux comprendre cette chose-là. Frère, donc nous comprenons que pour un enfant de Dieu, il y a un indicateur pour démontrer que telle personne vient vraiment de Dieu. L'amour. Le seul indicateur. Si cet indicateur-là n'est pas dans la vie du serviteur, de la servante, du frère ou de la sœur, alors elle n'est pas encore née de nouveau. Alléluia! Je ne peux pas dire que je parle de la part de Dieu, je prêche l'évangile pendant que mes enfants se meurent. Et ça ne m'intéresse même pas. Alléluia. Je ne peux pas dire que je suis pasteur Zadi et je suis à l'église Bethesda. Je me lève les épaules pendant que mes frères sont en train de mourir. Alléluia. Elle est en face de moi, je connais ses besoins. Je sais que j'ai la possibilité de l'aider. Je l'ignore. L'aide que je devais porter ici, je vais la porter ailleurs. Pour qu'on sache qu'on parle, je parle de la part de Dieu. Non, Dieu dit, frère, tu es un meurtrier. Alléluia. Maman, tu es dans la révélation. Mais je devais y arriver. Non. Il faut que l'enfant de Dieu soit transformé. Ce qui nous a fatigué, ce qui nous fatigue chaque jour, chaque instant, c'est parce que notre intelligence n'est pas transformée. Frère, Dieu, son onction, sa puissance, sa gloire, son élévation, ses richesses lui coûtent très cher. Il ne donne pas à n'importe qui. Frère, vous comprenez aujourd'hui que quand les gens souffrent, hein? Quand vous voyez, la dernière fois je disais, quand vous voyez quelqu'un qui est estropié, souvent vous avez pitié d'eux. Mais Dieu seul sait pourquoi il les a rendus comme ça. L'infirmité que tu as, ça ne peut pas venir de quelqu'un, non. Ça doit d'abord t'interroger toi-même, t'interpeller pour regarder au sein de toi-même. Ta vie que tu mènes là, quand tu regardes à l'intérieur, pourquoi ta vie est bloquée comme ça? Pourquoi ton âme est comme ça? Pourquoi chaque fois ta situation est toujours dans la même position et il n'y a pas de transformation? Dieu dit, c'est parce que tu n'as pas manifesté quelque part l'amour pour ton frère. Donc, tant que ta position est comme ça, rien ne peut se passer dans ta vie. Souvent on encaisse, on parle, on dit, on accuse, on dit. Mais non. Dieu dit, tu es criminel. Alléluia.
Alléluia. Frère, nous avons besoin d'être totalement transformés. Jésus a besoin d'une église transformée. Quand l'intelligence est totalement transformée, Dieu guérit. Il opère des miracles. Il élève. Et l'église est bénie. Les mariages chichent. Les naissances chichent. Et Dieu bénit son peuple. Bien-aimé, il n'y a rien. Sois béni, ma fille. Il n'y a rien d'autre qu'une situation que toi-même tu gères. Comme vous aimez souvent le dire, je gère. C'est dans gérance là. La gérance, tu as géré toi-même. Dieu, je gère. Mais en réalité, tu gères quoi? Rien. Rien du tout. Alléluia. Donc nous comprenons que on ne peut pas présenter un Jésus qu'on ne vit pas. Frère, quand moi je présente mon Jésus là, parce que je sais d'où il m'a sorti, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de parler de ce Jésus. Parce que je sais d'où il m'a sorti, de quel bout il m'a sorti. Et quand je dois poser un acte, je ne le pose pas par rapport à un frère, pour faire plaisir à un frère, non. J'écoute sa voix. Et quand sa voix me parle, je fonce. Frère, un enfant de Dieu doit avoir une ligne directive. Hey, regardez la traversée du peuple d'Israël. Dieu dit, allez, moi il prend mes enfants, amène-les à Canaan. Mais regardez leur traversée, regardez leurs oppositions. Bien-aimé, ce que Dieu t'a dit le premier jour n'a pas encore changé. Mais c'est toi qui changes de porte. C'est toi qui changes de route. Mais lui, Dieu, il t'a dit, il t'a aimé, il t'a fait venir sur la terre. C'est ce qu'il t'a dit le premier jour. Parce que ce que chaque enfant devra comprendre, c'est que quand Dieu t'a amené sur la terre, c'est pour sa gloire. Donc il a une mission pour toi. Alléluia. Est-ce que tu connais la mission que Dieu te préserve? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Frère, c'est parce que nous ne savons pas que nous souffrons. Mais si tu savais pourquoi Dieu t'a envoyé là, la souffrance devait s'éloigner de toi. Donc je comprends que ta chrétienté doit être jugée par l'amour de ton cœur envers ton frère, envers l'église et envers Dieu. Quand tu dis, moi j'aime Dieu et le reste je m'en fous, c'est faux. Tu n'es pas chrétien. Donc tu ne peux pas hériter des grâces de Dieu. C'est pour cela qu'il y a la souffrance. Alléluia. Nous devons avoir un cœur pur. Un véritable enfant de Dieu. On nous a démontré les histoires des cœurs, les plusieurs cœurs. C'est vrai. C'est vrai. La pureté d'un enfant de Dieu est très importante pour gagner le royaume. Si ton cœur n'est pas pur, ton cœur est plein de malice, rempli de jalousie, rempli de haine, rempli d'amertume, rempli de coups bas, de complots, rempli de divisions, rempli de murmures. Frère, rien. Quand on fera l'analyse, ou même quand Jésus reviendra ici, vous dites il est venu chercher son église. Frère, est-ce qu'on te retrouvera dedans? La méchanceté, l'orgueil, l'hypocrisie totale remplit nos cœurs. On ne peut pas dire exactement ce qu'on pense. Et avec ça, on prétend à la grâce de Dieu. Non. Parce que la grâce de Dieu est tellement chère pour lui. Quand vous voyez l'orgueil, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, l'envie, pourquoi elle est mariée? Mais pourquoi c'est d'elle seulement qu'on parle? Frère, ça dépend de son alliance avec Dieu. Si son alliance avec Dieu est sincère,
on parlera d'elle ou de lui chaque instant, chaque jour. Si c'est pour cela que tu l'envies, la Bible dit que tu es criminel. Elle a porté un Louis Vuitton, mais c'est Dieu qui l'a béni. Dis-lui simplement, sœur, comment tu as fait pour avoir ton Louis Vuitton? Elle va te montrer le chemin. Le chemin du travail. Et puis tu vas acquérir aussi un Louis Vuitton. Si c'est pour ça que tu la détestes, Dieu dit tu es criminel. Et tu ne pourras jamais hériter le royaume des cieux. Et quand Jésus viendra pour enlever son église, tu ne seras même pas dedans. Alors que tu as demeuré dans sa prière pendant 50 ans. 50 ans, il n'y a rien qui s'est passé. Et quand on voit tout ce comportement, mais dis-moi, entre ce cœur d'envie, ce cœur de haine, ce cœur d'orgueil, ce cœur de division, le cœur de murmure, de complot, il n'y a pas de différence entre toi et la sorcellerie. Frère, moi je n'ai rien dit, oh, mais c'est la parole qui m'amène à conclure que quand je vois ça là, on dirait que la personne là doit être sorcier. Alléluia. Parfois nous ignorons certaines choses qui nous amènent à bloquer nos vies. Alléluia. Le manque de pardon. Il y a des gens qui disent, franchement, non, dites-moi un peu. Qu'est-ce que vous y trouvez dans l'orgueil? Ah, c'est moi. Le manque de pardon. Le cœur est endurci. L'âme est endurcie. L'esprit est endurci. Tout est endurci. Et maintenant, c'est le dos que tu ouvres. Il n'y a rien dans ça. Rien. Le manque de pardon. Ça seulement suffit pour que Dieu te rejette. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Frère, reconnais un jour que tu as tort. Reconnais un jour ta faute. Ça ne pourra que te faire grandir. D'autres diront, oui, moi je suis parti. Ah, il n'a pas dit qu'il peut. C'est vrai. Mais sache une chose. La personne qui a permis que tu ailles là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si lui t'approuve, que les autres te désapprouvent parce que tu allais demander pardon, ce n'est rien. Mais on verra avec le temps la différence entre ce que toi tu as posé comme acte et eux qui se glorifient. Alléluia! On verra qui Jésus va élever. Seigneur, bien-aimé, Jésus tournera, mais c'est toi qui vas porter. Vous voyez, le manque de pardon, les griefs dans le cœur, surtout quand on a reçu des offenses. Alléluia. Surtout quand on a été meurtri. Le manque de pardon, quand on a été ridiculisé, humilié. Frère, Jésus a été humilié, celui qui est venu esprit. Et la Bible dit, il est venu pour sauver ton âme. Lui qui a donné sa vie sur la croix. Mais lui, il a été flagellé, on le crachait dessus. On tirait sa barbe et le sang sortait. Il recevait les coups. Alléluia. À chaque crochet, à chaque bout, il y avait un crochet et il y en avait 9. Et c'est ça qu'on le flashait comme ça, on tirait. Et quand on tire, c'est le sang qui sort. Le Jésus que vous voyez dans les images, ce n'est pas ce Jésus-là. Le véritable Jésus a été ensanglanté de partout. Alléluia! Faites vos recherches, vous allez comprendre. Frère! Quand on est enfant de Dieu, le brisement doit être en nous, totalement brisé. Acceptez l'humiliation. Acceptez le déshonneur. Alléluia. Frère, rentre en terre. Rentre en terre. Laisse-toi briser. Laisse-toi enterrer. Mais Jésus viendra t'arroser pour te faire germer après. Donc vous comprenez que sans amour, il n'y a pas d'élévation. Sans amour, aucune vie ne peut être sauvée. Sans amour, aucune gloire ne peut arriver à ta vie. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas l'œuvre dans la maison de Dieu, tu cherches à détruire l'œuvre,
tu es en train de détruire la vie de ton frère. Frère, ce n'est pas seulement quand on vient porter le coup sur quelqu'un. Non. Quand une église est bien installée, tu viens, on te tend le micro. Prêche, tu vas partir, frère. Mais toi, ce que tu regardes, comment faire pour attirer celui qui est là vers moi? Frère, on cherche l'amour chargé. Non. Parce que Dieu nous a ouvert les yeux 2 jours. C'est fini. On est arrivé. On ne peut plus rien entendre. On te parle, tu as le dos voûté comme ça. L'orgueil. Et tu es assis. Personne ne peut te parler. Alors qu'un enfant à qui on ne parle pas, tu vas dans la destruction. Frère, si on ne te parle pas, tu ne pourras jamais t'en sortir. Parce que dans la vie, Dieu nous a créés de deux. Frère, il aurait fallu que je m'appuie sur Serge pour grandir. C'est une pyramide. Dieu a fait les choses comme ça. Celui qui est venu premièrement, il a de l'expérience, non? Il est moins âgé que toi. Mais quand tu arrives, il a connu l'évangile avant toi. Donc quand tu arrives, tu t'accroches à lui. Et quand tu t'accroches à lui pour grandir, il faut t'appuyer sur lui. Mais pour t'appuyer sur lui, il faut qu'il te tende son épaule. Alléluia! Frère, on a besoin d'un plus petit que soi dans la vie. Donc quand tu es là, arrête de taper ta poitrine. Mais viendra le temps où tu auras besoin de maman Yao. Il y a le temps où tu auras besoin de papa Seyo. Donc frère, nous avons besoin d'un plus petit que toi. La discipline est très importante. Tu ne peux pas dire, non, moi je ne reçois d'ordre de personne. Je parle avec cet esprit, mais cet esprit, c'est qui? De cet esprit. Ce n'est que Jésus. Je vais vous démontrer comment vient le Saint-Esprit tout à l'heure, dans la parole. Les gens parlent. Cet esprit par ici, cet esprit par là. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas comme ça. On ne l'utilise pas n'importe où. Non. Vous allez comprendre quand je parle avec vous en dehors d'ici, j'ai un autre langage, un autre type de langage. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pour la plupart du temps, avec qui je parle, le Saint-Esprit m'a parlé. Non. Il y a des périodes pendant le moment où le Saint-Esprit vient sur toi, pas en toi. Il vient sur toi pour te donner un message précis. Et quand il finit, terminé. C'est dans son œuvre. Après ça. Lisez vos Bibles. Vous allez comprendre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est venue pour nous faire grandir. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 15, oui. Je lis la parole de Dieu en 1 Jean 3, verset 15. Oui. Quiconque est son frère. Quiconque est son frère est comment? Un meurtrier. Un meurtrier et. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Revois-toi, frère. Revois ton attitude. En dehors d'ici. Dans ton foyer. Dans ta famille. Dans ton travail. Il y a des gens qui grandissent que par les rapports sur les uns et les autres. Ceux-là, que Dieu les a envoyés pour ça, pour atteindre un sommet, il faut casser du sucre sur le dos de quelqu'un pour grandir. Mes frères, de la façon dont tu es en train de casser le sucre, je ne sais pas quelle position tu as adaptée, mais la même position que tu as adoptée là, quelqu'un est en train de te casser le sucre aussi. Amen. Il y a des gens que, c'est-à-dire que c'est ce qui est sur les autres qui les intéresse. Eux-mêmes ne peuvent pas créer leur propre chemin. Mais ce qui est sur les autres là, c'est ce qui les intéresse. Et tu les vois. Le jour où il voit ton mari, c'est ce jour-là, il va lui dire ce qui s'était passé en année 2001, quand il y avait une communication. Tu sais, ta femme là, elle avait dit ceci, mais vous ne savez pas, quelqu'un qui commence à parler comme ça a un autre plan derrière. Alléluia. Frère, même si la soeur s'est confiée à toi, même si le frère s'est confié en toi, mais c'était une confidence entre toi et lui. Est-ce que tu as besoin d'aller voir son mari? Est-ce que tu as besoin d'aller voir sa soeur? Est-ce que tu as besoin d'aller voir son frère? Sache, qu'est-ce qu'il y a dans ton dos? En le disant là, il y a quoi ici derrière? C'est quelle intention que tu as? Alléluia! Frère, quand
tu rentres quelque part, si tous les gens sont tordus, il ne faut pas être tordu aussi. Mais il y a des gens qui arrivent, ils t'ont trouvé tordu, ils veulent te redresser. Mais ils ne savent pas quelles conditions Dieu a permis que tu sois tordu. Les gens sont penchés, ils vont en droite. Mais tu arrives, tu vas à droite aussi, comme les kinés. Alléluia. Non. Vous savez, d'en vouloir transformer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des fondations qui ont été faites. Donc on va détruire d'abord ce qui était initialement fait. Et c'est dans ça qu'on va commencer à murmurer maintenant. À raconter des choses qui n'avaient pas le droit d'être. Amen. Donc on commence à, soi-disant, ouvrir les yeux à l'autre. Mais est-ce que ça fait 20 ans qu'ils sont dans leur foyer là? Est-ce qu'ils ont besoin que tu viennes leur ouvrir les yeux? Frère, c'est pour cela que Dieu dit, quiconque est son frère est un maître. Vous savez que celui qui est un maître n'aura jamais la vie éternelle. Frère, il n'y a que toi seul. C'est-à-dire qu'il y a ta vie seule qui t'intéresse. Tu n'aimes personne que ta personne. Quelqu'un est malade, ce n'est pas ton problème. On dit, cotiser dans l'église pour faire avancer l'œuvre, ce n'est pas ton problème. Mais si ce n'est pas ton problème, c'est toi. Mais c'est toi encore la même ou le même qui se permet d'informer Pierre, d'informer Paul. Il y a quoi derrière toi? Si tu es réellement arrivé, c'est simple. Tu prends tes affaires, de nous en béton, on appelle ça Gourou. Tu prends ces Gourou et tu quittes la maison de l'autre. Frère, quand tu arrives quelque part, dans le foyer d'un frère ou d'une soeur, la façon dont tu es arrivé, on t'a ouvert la porte. C'est de cette façon que tu dois demeurer. Ne pas vouloir changer le fonctionnement de la maison. Frère, si tu crois que tu sais plus que les autres, pourquoi tu es chez quelqu'un? Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu n'a pas besoin de toutes ces manigances. Dieu a besoin d'un cœur pur. Il a besoin d'une sincérité. Dieu veut te faire grandir, mais tout dépend de ton cœur. Dieu veut t'élever, tout dépend de toi-même. Nous allons prendre un exemple. Alléluia. Nous allons voir que l'amour aussi a ses attributs. On va prendre un exemple. Prends le psaume 89. Psaume 89. À partir du verset 21, ça va nous intéresser. Et vous allez voir, quand on manifeste l'amour, qu'est-ce qu'on reçoit? Je lis la parole de Dieu en psaume 89, oui. Verset 21. Oui. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Je l'ai oint de mon huile sainte. On va s'arrêter là pour l'instant. Alléluia. Regardez, la Bible dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Quand quelqu'un commence à t'appeler mon serviteur, mon ami, mon frère, ma soeur. Alléluia. Comprenez que le mot, c'est interne à la personne. Merci ma fille. C'est un adjectif possessif. Donc la possession est intérieure. Quand Dieu commence à dire, j'ai trouvé ma fille, Gisèle, ma servante, commencez à comprendre que à l'intérieur de Dieu, quand vous ouvrez son cœur, à l'intérieur, il n'y a que Gisèle. Elle se réveille, Gisèle. Alléluia. C'est comme ça. Dieu avait cette alliance entre lui et David. Il aimait tellement David. Pourquoi? Avant d'aimer David, David a manifesté aussi l'amour à Dieu. Frère, tu ne manifestes pas l'amour à Dieu, ni à ton frère. Mais tu veux que Dieu te donne ses attributs, il ne te donne rien. Amen. Donc vous comprenez que la seule chose, nous allons arriver maintenant au Saint-Esprit. Ce qui provoque la bénédiction, ce qui provoque l'élévation, c'est l'onction. N'est-ce pas? La Bible dit, j'ai trouvé qui? David, mon serviteur. Et j'ai fait quoi? Je l'ai oint de mon huile. Je l'ai oint de quoi? Mon huile sainte. Regardez, imaginez-vous Dieu, à cette époque-là, lui, il a son huile sainte et qu'il vient oint David. Est-ce que cette huile-là était physique comme celle qu'on voit maintenant ou spirituelle? Elle était spirituelle. Et elle voulait dire
directement de Dieu sans intermédiaire. Il n'y avait pas Jésus. Alléluia. Et Dieu dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Frère, c'est l'onction qui fait la différence. Donc vous comprenez que quand tu manifestes l'amour vers ton frère, vers ta soeur, Dieu va descendre en toi son onction. Et quand son onction est là, partout où tu vas, les portes s'ouvrent. S'il y avait une maladie, la maladie est vaincue. Alléluia. Frère, tant que tu ne manifestes pas l'amour avec ton frère ou avec Dieu, il n'aura pas d'onction en toi. Je prie tout parce qu'il me fortifie. Je ne peux pas me dire que je me sers. C'est grâce à moi-même. Quand tu commences à dire moi, c'est que tu te sers toi-même. C'est que tu comptes sur ta propre personne. Mais regardez la Bible. La Bible dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, et je l'ai oint de mon huile. Continue un peu. Ma main le soutiendra. Regardez un peu. Ma main le soutiendra, frère. Tant que tu manifestes l'amour dans la maison de Dieu, à Dieu ou à ton frère, la main de Dieu te soutient. Frère, qu'est-ce qui permet que la main de Dieu soutienne David? C'est l'onction. Oui, certaines personnes, quand on les voit physiquement, ils ne ressemblent à rien. Mais Dieu les aime. Oui, certaines femmes, quand vous les voyez, à temps normal, elles ne peuvent pas être dans un foyer. Mais Dieu les dépose dans un foyer. Et le foyer tient. Ça dépend de son cœur. Ça dépend de l'onction que Dieu leur a donnée. Alléluia! C'est parce que Dieu les soutient à cause de l'état de leur cœur. À cause de l'onction qu'il a déposée dans leur vie, à cause du fait qu'ils ont manifesté le bien chaque jour, chaque instant, à leurs frères, à leurs soeurs, mes frères, quelle est ta position? Alléluia. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit, qu'on appelle onction, ne vient pas n'importe où, n'importe quand. C'est quand tu manifestes l'amour. Amen. Tu ne peux pas détester. Tu ne peux pas haïr. Tu ne peux pas avoir la rancœur et puis manifester le Saint-Esprit. C'est impossible. Il y a quelqu'un, il y a une opération. Prêche, papa, dis tout. Dis, il y a une grosse antinomie. Il y a une antinomie, dis à quelqu'un, il y a une antinomie. Prêt, les gens sont couchés à l'hôpital. On dit... Aidons un frère qui a besoin de payer son loyer. Ce jour-là, toi, tu vas murmurer. Le jour où on parle d'argent pour faire avancer l'œuvre, ce jour-là, tu te mets pas blocage. Est-ce que tu vas me dire que tu aimes Dieu? Toi, tu vas me dire que tu parles de la part de Dieu. Que tu empêches les autres, ne payes pas ta dîme. Il y en a. Empêcher les autres de ne pas payer leur dîme. Frère, vous les suiveurs, vous les suivistes, vous vous tuez vous-même et vous devenez automatiquement meurtrier. Parce que ce que vous ne savez pas, le besoin, l'état de son, du cœur, du frère ou de la sœur, est-ce que toi tu connais? Amen. Est-ce qu'il a un cœur pur ou bien un cœur mauvais ou bien un cœur meurtrier? Tu ne sais pas. On est d'accord ou pas? Donc la personne prend sa cause et manifeste maintenant le blocage. Et comme dans toutes choses, ils ont besoin de soutien, ils vont tirer la soeur Adèle. Mais si Adèle n'est pas enseignée, elle suit. Elle est perdue. Et les mêmes personnes, quand vous les suivez, il n'y a pas de solution pour vous. Parce que Dieu dit, il résiste aux orgueilleux et il détruit les rebelles. À tes résolutions dépendra ton succès. Frère, accepte l'évangile. Ferme tes oreilles aux gens qui parlent. Les pseudo-prophètes, les pseudo-prophétesses, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Regardez,
Qu'est-ce que Dieu dit encore pour David? Ma main le soutiendra. Oui. Et mon bras le fortifiera. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Regardez. L'ennemi ne le surprendra pas. Frère, tant que tu manifestes l'amour et que tu es approuvé par Dieu, la main de Dieu te soutient et l'ennemi ne peut jamais te surprendre. Aucunement, frère. Je peux être endormi, fatigué. Frère, c'est pour cela. Tant que tu manifesteras le bien, manifeste le bien. Pourquoi? C'est une onction que Dieu t'a, c'est une grâce que Dieu t'a donnée par laquelle ton onction descend. Parce que comprends une chose, que tant que tu manifesteras le bien, Dieu te fera du bien. Et le jour où tu as fait du bien à Pierre, Pierre ne l'a pas reconnu. Ça te fait mal au cœur parce que tu es cher. Et que tu changes de cap et tu veux faire autre chose, Dieu n'est plus avec toi. Alléluia. Frère, je vous ai démontré ici les types de personnes que Dieu a amenées sur la terre. Il y a des receveurs universels. Ceux-là, on ne peut rien faire pour eux. C'est des gens qui sont là, qui ne savent pas donner. Eux, il faut qu'on leur donne. Tant que tu leur donnes, ils sont contents. Ceux-là, ils se servent de Dieu. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Ce n'est pas des servants de Dieu. Ce n'est pas des frères. C'est de faux frères. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir la libéralité dans son cœur. Un enfant de Dieu doit donner. Un enfant de Dieu doit aider son frère à être avancé. Alléluia. Mais quand vous voyez ces personnes qui attendent tous les autres, mais le jour où tu dois leur donner, ils sont contents. Ils te font de ce cinéma. Leur sourire arrive jusqu'ici. Parce que ce jour-là, ils doivent recevoir. Et quand ils ont fini de recevoir, dès qu'ils tournent le dos, ils te mettent le poignard dans le dos. À cela, Dieu ne peut rien faire. La main de Dieu ne peut pas les sauver. Et c'est ceux-là qui sont éternellement dans la souffrance. Et vous allez voir, dans leur million aujourd'hui, deux jours après, ils ont gaspillé leur million. Parce qu'ils ne sentent pas la valeur de cet argent. Parce qu'en eux, il n'y a rien. Il n'y a pas de cœur pur. Des receveurs universels. Alléluia. Et tant que tu es avec ces personnes, ta vie est paralysée. Ta vie est bloquée. Et là, quand il parle tellement avec aisance, avec éloquence. Tu diras, non, c'est vraiment des personnes qu'il faut suivre. Mais ils ont un plan derrière la tête. Quel que soit le domaine dans lequel ils t'instruisent, ils ont un plan derrière la tête. Il faut savoir que dans ce plan-là, c'est leur intérêt d'abord. Bien-aimé, tant que tu n'as pas le discernement, tant que tu n'as pas cet enseignement, tu ne peux pas savoir. Quand quelqu'un se lève et puis il vient te parler de ton mari, qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Amen, non? Amen, hein? Quand quelqu'un quitte là-bas, il vient et il te parle de ton pasteur. Alors que entre ton pasteur et toi, tant que tu demeures dans l'église où il exerce, ta bénédiction dépend de lui. Maintenant, il vient te tordre le cœur de ton pasteur. Qu'est-ce qu'il y a derrière sa tête? N'est-ce pas? Rébellion? Ou bien processus de création d'église? Oui. Les gros pêcheurs dans les aquariums. Et ils ne vont pas pêcher ailleurs. Hein. Mais c'est dans l'église de l'autre qu'ils viennent prendre les âmes. Frère, tous ceux-là, ils sont dans l'église. Laissez-moi vous ouvrir un peu l'esprit. J'ai compris que quand David a été oint par Dieu et que la main de Dieu a secouru David, a soutenu David dans toutes ses difficultés et l'ennemi n'a pas eu accès à lui. J'ai compris après que le secret de la grandeur dépend de ma position vis-à-vis de Dieu, alléluia, et dépend de l'amour que j'ai pour mon frère. Frère, viens me voir. Si il y en a, il va te donner. Oui. Dès que tu as frappé à ma porte,
S'il y en a là, à l'instant T, s'il y en a là, j'enlève et te donne. Alléluia. Pourquoi? Voici le secret. C'est comme ça que David faisait. Et c'est comme ça qu'il a reçu lui sur sa tête. Et l'ennemi ne pouvait jamais l'atteindre. Pourquoi on est dans les églises? C'est parce qu'on a peur de l'ennemi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dès qu'on te dit tout de suite, elle est sorcière, personne ne va s'asseoir auprès d'elle. Il y a des gens, eux là, partagés avec les autres. Ils aiment manger seuls, faire les choses seuls. Ils sont toujours indépendants. Et les gens indépendants comme ça, comme Absalom là, ils sont très très dangereux dans la société. Ils ne sont pas sociables. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où nous devons avoir l'unité pour avancer. La connaissance de l'autre doit aider pour aussi gravir des échéances. Des échelons ou des séances. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez que quand tu as une vie d'indépendant, tu veux que toi seul, c'est à toi seul qu'on porte les bonnes choses. Frère, un jour, Dieu freine tout. Donc vous comprenez que nous souffrons parce que nous ne savons pas donner. Nous souffrons parce que nous ne manifestons pas l'amour. Si toi tu es un receveur universel, maintenant le donneur universel, il faut le laisser donner. Mais là encore, tu vas là-bas, tu fais éruption et tu l'empêches de donner. Frère, la Bible dit que tu es meurtrier. Tu es sorcier. Frère, vous voyez souvent, je vous ai parlé de la sorcellerie éphémère, n'est-ce pas? La sorcellerie, là, quand elle est comme ça, quand ton cœur est ainsi, c'est-à-dire que quand quelqu'un est très fort, ou bien il a atteint un certain grade, quand il voit ton état de cœur, il est facile de te donner la sorcellerie. C'est des signes. Ils se connaissent par signes. C'est comme nous les serviteurs. Nous nous connaissons par des signes. Il y a des signes qui accompagnent un serviteur de Dieu. Et le premier signe, c'est le signe de l'amour. Quand tu regardes un serviteur, tu peux savoir s'il est rempli ou il est plein d'orgueil. Pendant que Dieu t'inscrit, il te montre quelque chose. Il te dit, ton frère, tu as lu tous les jours. Tu sais que ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Dis-lui. Ne le saute pas pour aller parler à Maman Yao. Maman Yao ne peut rien faire à ta vie. Alléluia. Parce que quand tu sautes la soeur et tu viens parler à Maman Yao, Maman Yao, le temps que ça arrive à Maman Yao, il y a eu une déformation. Maman Yao va prendre. Elle va envoyer chez Maman Nketi. Maman Nketi va prendre. Elle va envoyer ici Maman Zadi. Maman Zadi va prendre. Elle va envoyer ici là. Ça fait trop de tout. Et au final, la seule parole qui a été dite a eu beaucoup de déformations. Et finalement, le frère, il est méprisé. Voici l'objectif. Méprisé par tous. Il est avec toi, non? Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité? Frère, assieds-toi là. Voici ce que j'ai appris de toi. Est-ce que c'est vrai? Ce que le frère va te dire, et ce que ma fille t'a aussi dit, tu prends les deux petites choses. Mais on ne prend pas une position d'une situation et automatiquement, c'est ça qui est la vérité. Faux! Sois béni. Cherchons la vérité. Et c'est celle-là qui nous affranchira. Alléluia. C'est là que beaucoup de souffrance s'est élevée dans nos vies. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'amour à ton prochain, c'est une onction d'une scène qui descend sur toi sans même qu'on te voie. Comme David l'a reçu, à partir du moment où tu manifesteras l'amour dans la maison de Dieu, à ton frère, au pasteur,
à l'église, l'onction descend sur toi. Donc tu ne comprends rien. Des fois, tu ne fais pas d'effort. Mais on t'appelle pour dire, viens travailler ici. On t'appelle pour dire, viens dormir ici. On t'appelle pour dire, viens faire ceci ici. C'est ça! La libéralité! Sois bénie, ma fille. Tant que tu ne lâches pas, personne ne lâchera pour toi. Tant que tu ne donnes pas, personne ne donnera à ta vie. Tant que tu ne dîmes pas, Dieu n'ouvrira pas le robinet pour toi. La position d'une personne auprès de toi peut détruire l'église en 2 minutes. Amen. Hein? Quand tu ne lui parles pas, il se croit tout permis. Et ça peut détruire l'âme, l'église. Et finalement, les enfants de Dieu que Dieu devait bénir, ça bloque leur grâce. Moi, on ne m'a pas caressé. Oh. On m'a caressé, on m'a parlé avec l'évangile de Jésus et l'évangile de vérité. Tant que tu n'acceptes pas l'évangile de vérité, ta vie sera toujours une vie de blocage. Parce que la transformation n'est pas là. La nouvelle naissance n'est pas là. Alors que, qu'est-ce qui nous amène l'onction? Qu'est-ce qui nous amène la transformation? C'est d'abord l'amour et ensuite la transformation. La nouvelle naissance. Si tu n'es pas de nouveau, qu'est-ce que tu vas recevoir? Je comprends que ceux qui ne payent pas la dîme ici à l'église Bethesda, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Parce que quand tu es né de nouveau, tu dois savoir que faire avancer l'œuvre de Dieu. Frère, regardez, l'amour qui est là, provoque l'onction. Et l'amour, on peut comprendre que l'amour a des effets. Nous allons voir le premier effet de l'amour. Alléluia. Acclame le Seigneur. Marc 8, verset 1 à 2. À Marc 8, verset 1. Oui. En ces jours-là, une foule nombreuse, étant de nouveau réunis, et n'ayant pas de quoi manger. Regardez, la Bible dit, ils sont restés avec Jésus pendant combien de temps? 3 jours. Ils n'ont plus de quoi à manger. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus appela les disciples et dit, Je suis ému de compassion. Pourquoi? Parce que mes enfants sont là. Ils n'ont pas à manger. Oui. Car voilà 3 jours. Ils sont près de moi. Et ils n'ont rien à manger. Regardez un peu. La Bible dit, Jésus a été ému de compassion. Pourquoi? Il allait évangéliser des personnes en parlant où il a gagné des âmes. Et maintenant, ils sont restés totalement auprès de Jésus. Et pendant 3 jours, ils n'ont pas mis quelque chose sur la langue. Et Jésus les regarde, n'ayant rien entre les mains. Frère, des fois, la situation dans laquelle tu te trouves, soit la maladie, l'état de chômage, l'état de paralysie, la malédiction, quand je te regarde des fois, Dieu me communique ce qui est dans ton âme, ce qui est dans ta vie. Et des fois, que je suis pris de compassion, Dieu parle à mon âme. Amen. Donc vous comprenez que un des éléments, un des effets de l'amour, c'est la compassion. Il n'y a personne ici. Hey, il y a des personnes. Là où on parle de compassion, ils s'en fichent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des personnes qui ne sentent rien. Il y a des personnes, mais rien. Alors que la compassion libère l'onction dans n'importe quel domaine de ta vie. Alléluia. Et il faut savoir, beaucoup parlent du surnaturel, mais c'est la compassion qui va provoquer le surnaturel. Et la maman là, tous les jours elle vient à l'église, elle saute. Seigneur, comment on peut l'aider? Ça là seulement là. Dieu permet de te bénir et que tu viennes la bénir. Tu l'as libérée. Alléluia. Mais regardez. Nous allons prendre un autre exemple. Prends Jean 11, verset 32. Jean 11, verset 32. Je lis la parole de Dieu en Jean 11, verset 32. Oui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, Elle tomba à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oui. Au verset 33. Jésus la voyant pleurer. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle. Oui. Frémit en son esprit. Hey. Et fut tout ému. Regardez. La Bible dit quoi? Jésus a fait quoi? Jésus la voyant pleurer. Jésus voyant qui pleurait? Marie. Marie. Hey.
bien-aimé, regardez, la Bible dit, Jésus voyant Marie pleurer, il fut comment? Il fut tout ému. Il fut tout ému. Regardez, celui-même que Dieu a envoyé comme esprit, revêtu de chair, voit dans le monde. Alléluia. La Bible dit, lui, il fut tout ému. Il a été frémi. C'est la compassion. Souvent, on est là, quand on est pris de compassion par rapport à une situation, ça nous fait pleurer. Frère, c'est la compassion. Si tu n'as pas de compassion, ça dit que c'est bon, c'est mauvais. Tu vois quelqu'un même que tu as vu autrefois, qui aujourd'hui traîne avec ta pète, a du mal même à marcher. Pas de compassion. Rien ne se fait. Frère, regarde, le simple fait que tu regardes quelqu'un, tu dis, Seigneur, si je pouvais, ça agit. Ça guérit. Regardez, la Bible dit, Lazare était mort 4 jours dans le tombeau. Et ils sont appelés Jésus. Jésus est venu. Et quand il a vu ses soeurs, il a été comment? Pris de compassion. Amen. Et quand vous continuez la lecture, la Bible dit, il dit, où l'avez-vous mis? N'est-ce pas? Amen. En parlant de Lazare. Alléluia. Et quand on l'a accompagné à ce lieu, la compassion a provoqué une onction dans les cieux. Descendre sur sa vie. Cette onction a porté la guérison dans la vie de Lazare. Et Lazare a été ressuscité. Frère, nous voyons que dans quel que soit le domaine de ta vie, l'amour pour ton frère, l'amour pour l'église, la compassion descend en toi et ça ouvre des portes automatiquement. Le simple pourquoi on demande d'intercéder les uns pour les autres. Pourquoi? Alléluia. La compassion que tu as pour ton frère qui est en difficulté. La prière que tu portes à Dieu. Dieu écoute la voix de son fils qui est en train de crier par rapport à une situation donnée. Et Dieu permet la guérison. Frère, comment pensez-vous que je prie tous les jours pour vous? Ou quand vous venez me voir, je dis, je sais que moi, le Dieu que je sais, ce que je vois là, ce n'est pas ce que Dieu a prédestiné. Quand je vais prier pour toi, Dieu fera. Ces témoignages que vous entendez, ce n'est rien d'autre que l'onction de Dieu à cause de l'amour que je manifeste pour son œuvre. Je te donne un secret ce matin. Le secret qui va t'amener vers l'élévation. Manifeste l'amour. Frère, en faisant du bien, en donnant à ton frère, en aidant ton frère, en aidant ta soeur, tu es en train de s'aimer, provoquer le futur. Les gens voient tout de suite ce qui va se passer. Non, c'est faux. Frère, ne regarde pas maintenant. Vois demain. Ce que tu poses aujourd'hui, vois demain. Si ce n'est pas sur ta vie, ce sera sur la vie de tes enfants. Regardez. Élie arrive, il dit à la veuve, fais-moi manger un gâteau. Elle dit non. J'ai que juste un peu de farine, un peu d'huile. Quand j'ai fini de manger à cause de la famille qui arrive, moi et mon fils là, on meurt. Amen. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas de compassion, qui ne savent pas donner, qui ne savent pas partager. Élie insiste. Et c'est maintenant qu'elle dit, d'accord. Mais regardez ce que Dieu a fait. Est-ce que Dieu n'a pas multiplié? Frère, quand vous prenez le cas de Anne, pourquoi est-ce que la vie de Anne était bloquée? Elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi? Amen. Parce qu'elle n'avait aucune liberté dans son cœur. Vous avez compris maintenant? Des fois, des choses nous arrivent, mais on croit que c'est la faute de celui qui a coûté. C'est faux. Toi-même, regarde ton cœur. Analyse ton cœur. Tu vas voir qu'il y aura une situation dans ta vie que tu ne manifestes pas. Frère, l'amour libère. L'amour n'est pas hypocrite. L'amour n'est pas envieux. L'amour libère. Alléluia. Prenez le cas de 2 personnes dans le foyer qui ne se parlent pas. Vous vous levez le matin, vous vous déplacez au salon. Vous ne vous parlez pas. Regardez. L'autre souffre. Si c'est la femme, l'homme aussi souffre. Et puis les deux sont là. Même quand ils arrivent dans le lit, ils se couchent encore pire. Ils se couchent dans le même lit. Alors que les deux ne se parlent pas.
Ils sont dans le même lit. Mais là, il y a un qui va se tirer jusqu'à fatiguer. Tu te tires, tu te tires. Et ton tirement n'en finit pas. Sois béni. Alléluia. Des fois, tu as envie de manger quelque chose de propre que tu as l'habitude de manger. Mais tu ne peux pas manger parce que tu vas demander à qui? Alléluia. Frère, c'est un don qui est en toi, il est cadeau. Dieu te l'a donné, manifeste-le. Mais regarde, comme il n'y a pas de compassion en toi, comme il n'y a pas de pardon en toi, il n'y a aucune humilité en toi, tu ne peux pas dire à ta femme ou à ton mari, pardon, chérie, pardon. Regardez, quand vous arrivez à communiquer après, ça libère l'atmosphère dans la maison. Ça libère les cœurs, ça libère les enfants, ça libère toute la maison. Là, quand vous arrivez maintenant, au lit, il n'y a pas fait de tirement. Il n'y a plus de tirement là-bas, hein? Et puis là-bas, il n'y a pas ça d'esprit. On va parler en langue. Non. Il y a longtemps, vous parlez en langue. Tu étais de l'autre côté. Vous étiez de l'autre côté. Vous avez tout parlé. Maintenant, là, laisse, ça fait de parler en langue. Alléluia. Frère. Je n'ai pas encore vu sur cette terre quelque chose que Dieu a créé d'aussi merveilleux. L'amour. Je ne vous parle pas d'un amour charnel, mais l'amour des uns pour les autres. Regardez à distance ici. Comment par amour, à cause de cet amour spirituel qu'il y a entre des enfants et toi, comment Dieu opère des miracles. Étant ici, tu appelles quelqu'un qui est en difficulté. Et puis tu dis, bon, attends, j'arrive. Et tu appelles quelqu'un d'autre. J'ai mon enfant qui est en danger, qui est en difficulté. Il y a telle situation. Et la personne, ah bon, donne-moi son numéro, donne-moi son adresse. La personne prend l'adresse, son numéro, et puis va à l'endroit exact. Et dans les heures qui suivent, te dit, t'inquiète pas, la personne est sortie. Frère, et le véritable amour, c'est dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. Non. C'est dans la maison de Dieu. Logiquement, tu ne devais même pas douter de ton frère. Tu ne devais même pas avoir peur de ton frère. Amen. Il y a des gens ici qui se voient, ils n'ont même pas envie de s'asseoir proche. Ils n'ont pas envie de se parler. Ils ne peuvent même pas donc s'asseoir par affinité. Non, ce n'est pas de l'amour ça. Alléluia. Est-ce que ce matin, cette parole t'a fait du bien?